humains, c'est des monteurs à l'île. Monteurs à l'île. Mais là, actuellement, il y a toujours des ports en Alicante et des ports en Marseille. Le port d'Oran connaît des travaux. Il y a deux quais. Il fallait être à l'écoute de cette communauté qui est très importante. On a fait une réduction de tarifs allant jusqu'à 35%. Jusqu'à 35% par rapport au tarif de 2015. Pour tout le monde ou pour tout le monde. D'accord. Pour tout le monde. Et on a même réduit le tarif sur le réseau Espagne-Algérie. C'est pour inciter les gens à voyager. D'accord. Le programme, il y a un programme Ramadan. Alors, de lundi à jeudi. Alors, le départ de Gigi se fera à 8h. Il arrive à Béjaïa à 9h45. Béjaïa à Zefoun, il arrive à midi. Et arrivé à Alger à 14h30. Pour revenir un peu au problème du carburant. Le carburant qui est mis à bord du navire est un carburant spécifique. Il est léger en soufre pour ne pas encrasser le moteur du groupe électrogène. Et ça nécessite une présence continue pour la maintenance, à titre préventif, d'éventuels problèmes. Donc on passait par Naftal. Naftal, elle l'achète chez Sonatrach. Sonatrach l'importe, elle le donne à Naftal, elle le vend à Naftal, Naftal le vend à l'NTNV. Vous savez, le carburant, ça n'apparaît pas pour le passager. Pour lui, c'est peut-être 10-15 tonnes. Un aller-retour Marseille, Alger, Marseille et retour, il nous prend à peu près 190 tonnes de carburant, mazout à peu près. Et quand on paye 50 000 à 60 000 dinars la tonne, chaque rotation, c'est 1 milliard de centimes.